Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour mon tout premier vlog. Donc je vais vous emmener avec moi tout le week-end, samedi et dimanche. Donc là, on est le 12 mars. Et je me suis dit que ce serait sympa de vlogger en fait parce qu'aujourd'hui, c'est le shooting de la nouvelle collection printemps-été des accessoires et bijoux et bénis. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en shooting, comment ça se déroule et aussi pour vous montrer en avant-première les accessoires qui seront disponibles à partir de mi-avril. Donc voilà, ça met un petit peu de temps, mais voilà, j'ai plein de choses en fait à vous dire, à vous expliquer. Donc je vous présenterai un petit peu tout ça tout le long du week-end. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un jeu concours pour gagner en avant-première deux accessoires de la nouvelle collection et ce sera un jeu sur Instagram. Donc là ça fait un petit moment que je suis réveillée, j'ai pas une bonne lumière là, hop voilà, ça fait un petit moment que je suis réveillée et j'ai encore un petit peu shooté, je pense que vous pouvez le voir, j'ai encore un petit peu les yeux marqués. J'ai mis légèrement du voilà anti-cerne de fond de teint pour sortir parce que j'avais quelques courses à faire rapidement avant que tout le monde arrive pour le shooting. Donc voilà, là je vais aller m'occuper de mes cheveux. Je vais essayer de rafraîchir un petit peu mon twist out qui est un petit peu vieux. Voilà. Essayer de refaire, donner un petit peu plus de volume, refaire un petit peu. Voilà. Améliorer tout ça. Et donc, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, ça va être assez speed. Et dimanche, ce sera plus calme. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter, à vous dire. Donc, ce sera l'occasion de le faire de façon posée. Donc, c'est parti, je vous emmène avec moi pour le week-end. Donc là je rentre des courses, j'ai terminé, je vous ai pas emmené finalement parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça me gênait vraiment de filmer à l'extérieur. Donc c'est une habitude qu'il faudrait que je prenne. Mais là voilà, je vous ai juste montré mon petit chemin et maintenant je vais vite sortir les accessoires, les installer avant que les filles n'arrivent pour que tout soit prêt avant leur arrivée. Alors voilà un petit peu les accessoires. Je vous montre rapidement. Il y a des modèles, je pense que vous connaissez déjà, puisque j'ai essayé de faire un petit peu voilà, dans le même esprit que ce que je faisais jusqu'ici. Avec des tissus un peu différents. Voilà, j'ai essayé de faire des choses un peu qui changent un peu. Donc en fait, vous allez avoir deux sous-collections. La sous-collection tissu, donc avec du wax comme ici. Où on va avoir les accessoires, les bijoux, etc. Et ensuite, on va avoir une sous-collection avec des petits pompons, comme ça. Voilà, avec des petits bijoux comme ça. Et on va avoir des bijoux de tête un petit peu changeants, un peu comme celui-ci, voilà. On peut attacher... on a fait des petits pompons... Il y a un monsieur qui parle super fort à côté. Donc désolé. Et voilà, des petites choses comme ça pour le wax. Des petits trucs qui changent un peu. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement les différents accessoires que j'ai là pour le moment. Il y a à peu près il y a une trentaine de références. Après, vous multipliez par les variantes or et argent. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait minimum 3 sous références. Donc, j'ai vraiment voulu vous faire plein de choses pour cette saison. Enfin, pour la collection printemps-été. Faire pas mal de choses pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais en gardant, bien sûr, la thématique wax. Et aussi, j'ai rajouté la petite thématique pompon. Parce que je trouve que c'est tendance en ce moment. Donc voilà. Je me suis bien amusée à vous créer... Je me suis bien amusée à vous créer tout ça. J'avais plein d'idées, vraiment beaucoup d'idées. Et donc j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Mais je me suis dit qu'en fait je vous ferais des ventes privées. Avec des ventes éphémères, avec certains accessoires. En fait que j'ai pas eu le temps de faire. Mais qui, voilà, qui me tiennent vraiment à cœur de vous proposer. Et donc voilà.
je crois que c'est tout, je vous ai tout présenté. Donc là les filles vont pas tarder à arriver. Donc voilà. Donc là j'ai des petites choses à terminer. Là je vous ai montré les accessoires, mais il faut que je les classe par fille. Donc en tout on va être 6 filles à faire le shooting. Donc là il faut que je les classe par fille. Donc voilà, il me reste juste ça à faire et je pense qu'elles arrivent dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Donc ça va bientôt commencer, c'est cool. Et Mélanie la maquilleuse va arriver un peu plus tard, vers 14h, pour commencer à maquiller. Donc moi je vais commencer à les coiffer, à me coiffer aussi. Ensuite je vais maquiller, enfin ensuite elle va maquiller les filles. Ensuite le photographe Guillaume arrive. Donc voilà, je suis pressée. À tout à l'heure. C'est trop joli ça. Voilà. Voilà, t'es coiffée. C'est tout. Après, il est nickel. Attends. Ah non, c'est bon. Pardon, oh, excuse-moi. Tu sais ce que tu vas faire. Hein. Ouais, 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 grave. J'ai tourné la tête, j'ai fait tic. C'est joli ça. En plus, ça fait trop bien avec la coiffure de cheveux. Mais ouais, parce que quand t'as des, ouais, un dégradé et tout, ça fait des reliefs. Ah, je vais le prendre. Ah, c'est bien. Je vais voir si ça tient, parce que là, elle va se faire le même. Avec les cheveux comme ça. Ça va rire. T'arraches les cheveux comme ça. Bah ouais, c'est en fait. T'as pas marre là? Non. J'ai un bon profil là, pousse-toi. Allez. C'est froid, mais il y avait une seule. Par contre, je suis retirée, j'en ai reçu un petit peu sur les. Faites gaffe, les filles, ouais, monsieur. Peut-être faire comme ça en fait. Non. Tu le mets comme ça. Et en fait du coup sortir tout le surplus et. C'est ça ? Ouais. Je le fais maintenant ? Ouais. Voilà. Ah oui. Et après du coup t'en as moins de risque d'en avoir ça. Ça c'est dans la vidéo. C'est la petite technique. Superbe. Wallou. Beautiful. Mais c'est ça, enfin, un petit zoom. Je sais pas du coup. Et oublie pas de me remettre tes bijoux après. Donc ça y est, on a terminé. Donc là on file faire le shooting à l'extérieur. Ça va être top. Regardez mon maquillage, il est juste trop canon quoi. C'est trop beau. Je suis trop fan. Avec le petit accessoire. Et donc là c'est parti. On y va. Regardez-moi les filles. Tu peux marcher en arrière? Je t'ai fait un nœud derrière ce coup. Alors là on arrive dans la rue du shooting et on va commencer à s'installer. Il y a un petit peu de... On n'était pas allé aussi loin la dernière fois, si? Non, je pense que... On s'était arrêté là, ouais, bon, c'est pas grave. À ce niveau là. Donc voilà, on arrive dans la rue. C'est vite cool. Ouais, c'est pas mal avec le soleil là, on est pile au milieu. Super. Là, on... Je me rattrape en luminosité. Tu pas là, je te tourne. Ouais. Oh, c'est nickel là. Alors, on va commencer avec Ophélie, Caro, après Steph, Sandrine et moi. Voilà.
Tu peux aller voir comment c'est. Ah, ça rentre trop bien. Attention, ça va pas te faire cramer. Paramé. Regarde. Le soleil. Le soleil. Non, c'est bon, hein. Avec la veste. Nickel. Ça te va? Tu me dis s'il faut que je baisse plus la tête. Ouais, nickel. Ah, bien, putain. Je vois rien avec le soleil. Donc voilà, on a terminé le shooting, ça s'est super bien passé, franchement c'était top, la maquilleuse elle a fait un travail juste top, je pense que vous pouvez voir, je vous avais pas bien montré d'ailleurs le maquillage, voilà, là c'est un petit peu parti, mais franchement c'était super, là Guillaume il nous a montré quelques photos aussi, très très beau résultat, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc là on va aller manger, je crois qu'il est, il va être bientôt 20h, il va être 19h. 30, un truc comme ça, donc là on va aller manger, on va se faire une petite tour entre filles, ça va être cool, donc je vais vous emmener avec nous. Je pense que je vais arrêter le vlog là pour aujourd'hui. Je vais vous dire à demain. Comme je vous avais dit, ça va être une journée assez simple. Donc voilà, ça va être une petite journée farniente. Et je vous filmerai tout ça. La journée s'est très bien passée. Donc j'en profite pour remercier Guillaume pour les photos. Un grand merci à lui. Un grand merci à toi. Un grand merci aussi à toi Mélanie pour le maquillage, juste top. Et aussi un grand merci à mes copines qui ont joué les modèles. C'était vraiment cool. Et voilà, donc demain ça va être une journée assez tranquille. Je vais faire le montage de la vidéo. Voilà, ça va être vraiment très très calme. Mais bon, je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer. Et puis j'ai pas mal de petites choses aussi à vous annoncer. Et là je vous avoue, je suis un peu fatiguée. Donc je vous annoncerai tout ça demain. En avant-première, pas mal de changements en ce qui concerne. Attendez, je vais mettre comme ça plutôt. Pas mal de changements en ce qui concerne Ebony Shop. Voilà. Pas mal de petites. Enfin, changements, non, mais des nouveautés. Je vous en parlerai demain. Ce sera mieux. Je serai peut-être reposée. Je serai moins fatiguée. Tout ça. Donc, wow, voilà. Il fait beau. Ça fait trop plaisir. C'est trop trop beau. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est dimanche. Voilà, ça s'est super bien passé hier. Il fait super beau aujourd'hui, ça fait trop plaisir. Donc là j'ai déjeuné rapidement. Je vais passer la matinée à bosser parce que j'ai pris beaucoup de retard en fait sur vos commandes avec la préparation du shooting, voilà, la préparation des nouveaux accessoires. J'ai pris pas mal de retard.
Donc, je vais vite vous envoyer tout ça, enfin, vite vous préparer tout ça pour pouvoir vous envoyer tout ça lundi. Déposer toutes les commandes du week-end et certaines commandes de la semaine dernière que j'ai pas encore eu le temps de traiter. Donc, voilà, je vais bosser toute la matinée. Et je pense que en début d'après-midi, enfin en fin d'après-midi, plutôt vers 16h, j'irai à la gym suédoise. Et voilà. Faire un petit peu de rangement, tout ça. Essayer de profiter un petit peu du soleil, puisqu'il fait beau. Donc voilà, mon chéri, il n'est pas là pour le moment. Il rentre ce soir. Donc je pense que j'arrêterai le vlog juste après la gym suédoise, en fait. Voilà, je vous présenterai les nouveautés. Donc je vous avais parlé hier, parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de le faire, c'est important. Je pense que c'est des choses qui vous plairont. Et après j'arrêterai le vlog, voilà, pour profiter de la soirée avec mon chéri. Donc voilà, donc là je vais bosser et puis je vous retrouve tout à l'heure. Direction le sport, il fait juste trop beau, ça fait trop plaisir. J'arrête pas de le répéter, mais franchement ça fait du bien quand on a un petit peu de soleil, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, là c'est parti, on va se dépenser un petit peu. J'ai fini toutes vos commandes, donc elles partiront toutes demain. Et je suis assez contente de la luminosité, elle est horrible, ah, voilà. Donc je suis assez contente, j'ai fini toutes vos commandes. C'est cool, je pourrais tout envoyer. Désolée pour celles qui ont eu un petit peu de retard dans leurs commandes, notamment les commandes d'accessoires. Je suis vraiment désolée. Et donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, après les gyms. Bon voilà, je suis rentrée du sport, complètement cassée, mais ça m'a fait un bien fou en même temps. Donc voilà, maintenant je vais prendre le temps de vous expliquer voilà, les nouveautés qu'il y aura sur Ebony Shop. Comme je vous avais dit, je vais clôturer en fait le vlog juste après ma séance de sport. Donc voilà, les choses à savoir, c'est déjà le lancement de la nouvelle collection. Donc ça je vous l'ai déjà dit, ce sera mi-avril. Je me dis, vous me demandez peut-être pourquoi ce sera aussi tard. En fait, il y a beaucoup de choses à mettre en place, ne serait-ce que les fiches produits. Le temps pour Guillaume de retravailler les photos et aussi en parallèle, je vous annonce qu'il y aura un nouveau site Ebony Shop. Donc ce sera toujours disponible sur www.ebonyshop.fr ou .com, mais ce sera le site va être complètement revu. On garde toujours la même charte graphique, mais avec de belles nouveautés. Des nouveautés produits. Vous devez aussi vous demander pourquoi il n'y a pas une nouveauté produit depuis un petit moment. C'est justement parce que j'attends le lancement en fait de ce nouveau site pour mettre les nouveautés produits. J'ai pas envie de le mettre sur le site actuel et avoir à rechanger après par la suite, sachant que le nouveau site est quasiment terminé. Donc voilà, il va y avoir pas mal de petites nouveautés là-dessus. Donc le nouveau site, et aussi c'est parce que je travaille sur une application qui s'appellera Ebony Shop et qui sera disponible sur, je crois que c'est Play Store et l'App Store, tout simplement, donc pour iPhone et pour Android, qui sera disponible aussi, le nouveau site, ce sera à la fin du mois, donc fin du mois de mars. C'est pour ça que je suis vraiment en train de travailler à fond dessus et que la nouvelle collection ne sera pas disponible tout de suite. Et pareil pour l'application, ce sera début avril, mi-avril, le temps voilà, de mettre tout ça bien en place. Donc ça fait pas mal de petites nouveautés.
à faire, sachant que comme vous le savez maintenant, je travaille toute seule, donc c'est pas mal de choses à mettre en place. Donc voilà, c'est pour ça que la nouvelle collection va mettre un petit peu de temps, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard au niveau des commandes. Vous avez dû remarquer que pour les accessoires personnalisés, j'avais rallongé les délais de maximum 5 jours pour l'expédition. C'est parce que voilà, il me faut le temps de créer tout ça et de mettre tout ça en place. D'ailleurs, pour les accessoires personnalisés, pour me laisser le temps justement de finaliser le nouveau site, l'application et la mise en place de la nouvelle collection, il n'y aura plus possibilité en fait de commander des accessoires personnalisés jusqu'au 1er avril, puisque je suis également en train de travailler sur de nouveaux accessoires personnalisés et de nouveaux tissus. Donc voilà, le temps pour moi de mettre tout ça en place et après voilà, tout sera prêt pour fin mars. Entre fin mars et mi-avril, vous aurez pas mal de nouveautés. Alors, pour clôturer ce vlog, on va donc passer au jeu concours sur Instagram. Donc, ça va être assez simple. Il faut que vous soyez abonné à mon Instagram. Il faut que vous mettiez en hashtag ebenydiary. Je vous marque tout en bas. Et ensuite, il y aura deux lots à gagner. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux sous-collections. Une sous-collection de tissus avec du wax et une sous-collection pompon. Et donc vous aurez un bijou à remporter, bijou pompon, et ensuite un classique en fait que j'ai fait, voilà, un des accessoires que je fais depuis le début et je sais que vous l'aimez beaucoup. Ça va être un headband fil de fer avec un tissu en wax. Donc c'est assez simple. Vous mettez en commentaire de la photo que je vais publier sur Instagram, vous mettrez ebenydiary en hashtag et vous précisez accessoires ou bijoux, tout simplement accessoires cheveux ou bijoux. Je ferai le tirage au sort une semaine après la publication. Donc là je sais pas exactement quand est-ce que je vais vous publier le vlog, je vais essayer de le monter assez rapidement. Je pense que ça va être un petit peu long parce que je me rends compte que j'ai beaucoup filmé, beaucoup parlé. D'ailleurs je remercie mes amis qui ont filmé aussi pendant le shooting, puisque j'étais occupée à coiffer un petit peu tout le monde, donc merci beaucoup à elle d'avoir filmé, d'avoir pris des photos. Je vais vous mettre tout ça dans la vidéo, je pense que vous l'aurez déjà vu, voilà tout simplement. Et donc voilà, je vous publierai ça dès que je pourrai. Pour la date des résultats du jeu concours, je vous mettrai ça en bas. Je saurai plus précisément quand j'aurai fini le montage de la vidéo, mais ce sera une semaine après la publication. Donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ça m'a fait super plaisir de faire ce premier vlog, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un type de vidéo qui vous intéresserait sur ma chaîne, c'était un peu c'était une grande première, donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Alors bye. Voici les accessoires à remporter, donc on a le headband fil de fer, c'est celui que je portais dans le vlog en fait, au moment du shooting photo, et ensuite on a les boucles d'oreilles. Que voici, donc en rose poudré, je les trouve trop trop jolies. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire gagner ces deux petits accessoires là.